s'arrête, on ne sait jamais. Maman. Il m'appelle maman. Oh là là. Ah, papa. Ça va. Il parle quelle langue? Il est sourd, il parle comme un sourd. Ça va faire tout à l'heure, ne pas ça, toi, mais ça. T'as compris ce qu'il a dit? Non, pas tout. Ah, c'est moi, rien du tout. Regarde ce que j'ai trouvé dans son sac. Mais d'où il sort cette photo? Aucune idée. Papa, photo? La voiture? Ah non, arrêtez! Pourquoi tu lui as filé la bagnole? Attends, tu vois bien qu'il est inoffensif, on dirait un chat perdu. Mais un chat perdu, on lui donne un os, pas une Audi A8! C'est votre femme qui lui a prêté le véhicule, y a pas eu vol. Y a eu prêt. Bon, ben alors, je porte plein de pour prêt. C'est sûrement un enfant abandonné. Ou alors, c'est peut-être ton fils. Voilà, il manquerait plus que ça. Tu m'as déjà trompé. Hein? Elle s'appelle comment? C'est peut-être pas le bon endroit. On va aller la voir, ta poufiasse. Oh non, je t'en prie. Oh mon Dieu, André. Non, mais comment t'as pu? Regarde-moi ça. Non, elle avait 40 ans de moins. Mais enfin, t'imaginer en train de la... Il veut nous présenter sa femme. Essayez de vous repérer au son de ma voix, peut-être. Hein. C'est tout droit, par ici. Oh mon Dieu! Tu vas avoir un petit-fils, André. Ah ben, ça pue en être fou. Hein. Comment vous vous êtes rencontrés? Sur un site de rencontre. Alors, un site de rencontre pour handicapés? Ah non, un site de cul. Ce type est un escroc qui s'est introduit chez les gens pour les dépouiller. On va voir si t'es vraiment sourd. Que tu fais? Et voilà. Voilà, c'est un beau cadeau pour ton mariage. Ça t'intéresse pas de comprendre qui est ce gamin? Tu veux pas essayer de me faire confiance pour une fois? Toi, tu peux toujours avoir des enfants, mais elle vit ça comme un deuil. Merci, Fatin. De rien, connard. Connard? Hein? Non, un canard. Non, j'ai dit un canard.